suis Raïs Tijani, d'origine moitié sénégalais, moitié marocain. Donc j'ai connu Malik, ça va faire un peu plus de 4 ans, 5 ans maintenant. Donc ça a été une super rencontre, une super découverte et on avait déjà collaboré déjà sur un de mes titres qui s'appelle Mektoubi. Donc c'était un titre reggae à l'époque. Et bon, on a gardé la relation, on a essayé de... On s'appelle de temps en temps et là aujourd'hui, c'est un honneur de le recevoir dans les studios mouvementés. Donc voilà, c'est un grand artiste que j'apprécie beaucoup parce que c'est un artiste que je trouve vraiment talentueux, talentueux. Et c'est juste un honneur de l'avoir sur les productions musicales qu'on réalise ici dans le studio. Et voilà, c'est aussi un frère aussi avant tout. Et qu'on va aussi aider dans ses projets parce que voilà, il faut qu'on s'entraide et ça, c'est ça le plus important quoi. Et si le Sénégal, se qualifie en coupe, va en finale avec le contre le Maroc, alors, quelle va être votre position là, hein? Alors je vais alors bon, moi je suis moitié sénégalais, moitié marocain. Et en fait, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère. Donc, ça va être difficile. Donc, que le meilleur gagne. On va voir quelqu'un sur le stade qui va être tout le temps content. Quelqu'un sur le stade tout le temps content. Quel que soit le but, il est content. Bah oui. Il va dire que c'est chez moi. De là-bas, c'est chez moi. Là-bas, c'est... De toute façon, dans tous les cas, je sais que je serai vainqueur. C'est ça l'avantage que j'ai. Mais oui, voilà ce qu'il a dit. C'est... Moi, c'est un plaisir aussi de venir chez Tijani. Chaque fois, quand il m'appelle pour une collaboration, quand j'ai du temps, pas de souci. La semaine dernière, j'ai voulu faire un concert à Séville. Je n'ai pas pu venir. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dispo. Et comme j'ai Lamine qui prend les images ici, je lui dis, mais Lamine, si tu ne fais rien, on va chez Tijani. Ça te permet de découvrir au moins ce qu'il fait. Et puis, tu n'as pas... T'as pas été dessus, tu as vu rien qu'arriver, il nous a mis dans la bonne musique, des gens avec qui vraiment il collabore. Il est en train de faire de très bons albums avec d'autres chanteurs. Donc, C'est lui qui fait la chanson de la Coupe du Monde du Maroc. Là, en fait, c'est l'hymne officiel pour l'équipe nationale du Maroc. Vous pouvez nous donner un avant-goût? Un avant-goût du clip? J'aurais aimé aussi faire celui du Sénégal, mais j'ai fait la demande, mais. On m'a pas répondu. Eh bien, moi, je vous réponds oui, allez-y. Ah bah, j'aimerais bien. Allez-y. Proposez ça, et moi, je propose ça là-bas. Vous savez, c'est pas... C'est libre là-bas. Yaman! Ça vous donne un petit aperçu. Un petit aperçu. Please welcome World the Lion! Je ne peux pas tout vous dévoiler, c'est déjà exceptionnel. Mais il faut s'y faire pour le Sénégal. Voilà. Surprise. Il faut s'y faire pour le Sénégal. Bah oui. Alors moi, je voulais en profiter, voir avec Malik, voir avec d'autres artistes. Voilà. Nous, on est prêts. Si on est prêt à travailler sur un titre pour l'équipe nationale sénégalaise, welcome. Oui. Donc vous avez l'autorisation aujourd'hui. Avec un ambassadeur culturel,
de faire une musique pour l'équipe nationale du Sénégal. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, solennellement, il y a Malick Diaw qui est là. Je voulais vite fait prendre la caméra parce que vous présentez quand même. Voilà, oui. Celui qui nous filme depuis tout à l'heure. Hein? Voilà. Donc, moi, je dis, il a le droit. Warna mëna def musique pour le Sénégal. Sénégal mo sénégalais la comme ñep mi ngi fi ci France, il a le droit de faire ça. Il le fait très très bien. On lui fait confiance et peut-être qu'il nous portera chance. Hein? Ah bah j'espère. J'ai religieux. Voilà. Non mais moi je dis comment il faut voir les choses, c'est que voilà, avec la touche là, vous qui êtes allé parce que la diaspora a son mot à dire. Donc c'est une musique qui représente aussi un peu la voix de la diaspora. Le retour de la diaspora, le fait que la diaspora a son mot à dire par rapport à ce qui se passe dans les pays. Yeah. Donc, c'est ce côté international d'une musique qui représente un peu les lions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. N'essayez pas. Soyez vous-même tout en étant, en disant, on est là, on existe, on est avec vous. Voilà quoi, c'est ça l'esprit de... des gens qui sont installés au Sénégal, au Congo, qui sont installés au Bénin, qui sont installés dans ces différents pays-là et qui n'ont pas la maîtrise de leur pays et de leur population. En gros, ça veut dire que les autorités africaines, elles sont faibles. Ouais, mais c'est que, je sais que quelque part, il y a toujours de mauvaises personnes parce que ceux qui vendent, peut-être une ou deux personnes qui vendent, c'est des gens qui cherchent que l'argent. Ils ne cherchent pas l'intérêt de l'Afrique. Non, il paraît qu'il y en a. Tout ça, je te dis franchement, je le condamne fermement. Je le condamne fermement. Là où je ne suis pas d'accord, tu vois, c'est que quand moi j'ai vu des vidéos, il y en a un, j'ai pris contact avec lui, un Congolais, qui était en train de traiter les Arabes en disant que c'était surtout les Arabes qui prenait les Noirs en esclave, en otage et tout, tu vois. Moi, je me sens concerné pleinement en tant qu'Africain, et je suis peut-être plus Africain que tous les Africains réunis, dans le sens où si j'ai affaire à un Sénégalais, je suis plus un Africain qu'un Sénégalais, parce que je suis Marocain et je suis Sénégalais, tu vois. Ça veut dire que j'ai une double culture, tu vois. Africaine, je parle de sans compter la culture française. Mais question africain, j'ai une double culture. Ça veut dire que même les Congolais qui en train de dire oui, tous les Arabes, ceci, cela, et puis ils sont en train d'attaquer les musulmans, tu vois. Alors que c'est pas une histoire de religion, non, ça. Non, c'est pas une question de religion. C'est que la religion ne doit tu, pas. Tu sais, ils ont rentré aussi mélanger. La religion dedans en disant oui, les musulmans, ceci, cela. Non, non, la religion doit être respectée. L'humain en lui-même doit être respecté. Mais là où je te dis, nous, on a une responsabilité, nous, surtout. En premier lieu, sur les personnes lambda, c'est nous les artistes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'Afrique ? Tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, même ces gens-là qui vont manifester, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique ? Tu vois ? Pour que l'Afrique avance déjà. Pour que l'Afrique soit autonome. Tu vois ? Mais cette autonomie... Est-ce que maintenant, on commence à crier à tout va, à dire, oui, c'est pas normal, on vend nos frères africains. Oui, c'est pas normal. Mais en attendant, si on enlève ce problème-là, elle en est où l'Afrique aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique ? Tu vois ? Quand est-ce qu'on se rassemble pour l'Afrique ? Bon, vous savez que le problème de l'Afrique, c'est la division. Parce que tant qu'il n'y a pas cette union africaine, bon, vous savez, le monde, comme le monde occidental, c'est la division de l'Afrique qui les intéresse. C'est pas l'union de l'Afrique, parce que l'union africaine, ça ne fait que leur faire perdre de l'argent. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est un coup monté, puisque ce problème là de vente de personnes humaines, moi je suis désolé, c'est pas en 2017 que ça venait de commencer. C'est quelque chose qui date
de très longtemps. Après, il faut des enquêtes, quoi, pour savoir. Non, mais il faut des enquêtes. Mmh. Tu sais, il faut réfléchir. Savoir réfléchir rapidement, tu sais. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place là depuis peu. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ouais. Maintenant, à qui profite le désordre en Afrique ? Aux pays occidentaux, parce qu'ils sont en train de voir que l'Afrique est en train de s'unifier, ils sont en train de voir que l'Afrique, que les gens comme nous, qui sommes artistes, par exemple, on a envie de s'investir en Afrique, on a envie que l'Afrique en général, quelques pays que ce soit, il faut que les pays évoluent, tu vois, il faut qu'elle ait sa propre monnaie, il faut qu'elle ait son propre satellite. Tu vois, donc il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais c'était le projet de ce qu'il dit là. C'était le projet. C'est important. Je te disais de savoir pourquoi de tout ça sous ce tollé là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que si après ça, et puis, on est divisé? Tu prends même l'exemple du Maroc. C'est pas parce que je suis moitié marocain. Le roi Mohamed VI, il a décidé de rejoindre l'Union africaine parce que son père était sorti de l'Union africaine. Mm-hmm. Il a décidé de re-rentrer dans l'Union africaine. Ça s'est super bien passé. Il va investir dans tous les pays d'Afrique aujourd'hui, tu vois. Il fait des choses considérables que d'autres n'ont pas fait, tu vois. Comme Kadhafi, tu vois, à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, c'est le pays de Kadhafi. Tu vois, celui qu'on respectait le plus parce que c'était quelqu'un qui avait quand même une poigne et tout ça et tout. On peut en penser ce qu'on veut. Mais en tout cas, lui, c'était lui qui avait lancé le projet de dire il faut qu'on ait un satellite africain qui coûtait un peu plus de 1 milliard de dollars. Et il avait dit qu'il mettait 500 millions et que le reste des pays africains, chacun met un peu. Marocain, par exemple, on peut me dire oui, bon... Moi, tu sais, j'ai eu cette discrimination au Maroc, dans mon propre pays, tu vois. On m'appelait l'Africain. Moi, ça me faisait rigoler, tu vois. Parce que je suis un Sénégalais, donc je suis un Africain. Mais je ne suis pas un Africain parce que je suis Marocain. Eux pensent que, voilà, c'est juste des Maghrébins, il n'y a pas de problème. Depuis que le roi a décidé de rentrer dans l'Union africaine, tout le monde est devenu africain d'un seul coup. Tu sais que les origines de la mère du père de Mohamed VI, donc Hassan II, que sa mère, elle a des origines sénégalaises. D'accord. Tu vois? La mère de Hassan II. Ouais. Elle a des origines sénégalaises. Elle a des origines sénégalaises. Hein? Eh oui. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, ça. Ah ouais, d'où l'intérêt que le Maroc a. Tu vois, il y a eu vraiment une collaboration étroite entre ces deux pays depuis des décennies. Et c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait. Alhamdoulilah, tu vois, c'est. Voilà. Déjà, tous ensemble, c'est ça le plus important. Alors bon, moi je suis moitié sénégalais, moitié marocain, et en fait c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère. Donc ça va être difficile, donc que le meilleur gagne. On va voir quelqu'un sur le stade qui va être tout le temps content. Quelqu'un sur le stade tout le temps content, quel que soit le but, il est content. Il va dire que c'est chez moi. De toute façon, dans tous les cas, je sais que je serai vainqueur. C'est ça l'avantage que j'ai. C'est honneur à nous, Lyon 2.
Messi. Français, honneur à nos lions de l'Atlas. Yalla ensemble, yalla Atlas. Tous fiers, rouge, vert pour nos lions de l'Atlas. Africa, Africa, salam alaikum. Je peux pas tout vous dévoiler, c'est déjà exceptionnel. Mais il faut aussi faire pour le Sénégal.